Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette 16e émission de la saison 3 du Bistrot d'Alelosque. Le Bistrot d'Alelosque, l'émission hebdomadaire, diffusée sur le Facebook des supporters du LOSC pour les supporters du LOSC. Une émission donc produite par les Dogs du Net, le site d'Alelosque, le Bistrot d'Alelosque. Au sommaire cette semaine, donc l'actualité de votre club favori. Nous viendrons dans un premier point sur la Coupe de France. 3. Les Lillois passent la 16e. Ensuite, nous irons échanger sur l'actualité de la semaine, une riche actualité de la semaine en championnat. Un premier rendez-vous à Brest, enchaîné en Bretagne, c'est l'enjeu pour le club. Et enfin, un retour de 3 pour un deuxième match de championnat. Porter l'Estoc à l'Estac, ce sera le thème de cette troisième partie de l'émission du Bistrot. Pour échanger sur cette actualité, nous avons des piliers de Bistrot qui sont présents avec nous. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de drapeaux qui se promènent cette semaine. Alors, le drapeau du Canada avec Christophe C. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir à tous. Très très bien. Et juste rapidement, je voudrais saluer principalement toutes les victimes de Noël Legrette. Voilà, il n'y a pas que Zidane dans la vie. Voilà, le Père Noël est parfois une ordure, on le sait. Ce n'est pas de nous, hein, c'est du site L'Équipe, si je ne dis pas de bêtises. On a également un drapeau italien, donc vous le reconnaissez, Lorenzo. Bonsoir Lorenzo, du compte Twitter Dogs Italia et du compte également Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, bonsoir François, bonsoir à tous. C'est parfait la description. Et voilà, ça me fait bizarre de commenter un match en sachant que le prochain, je le regarderai moi-même en personne. Donc voilà, c'est cette sensation bizarre aujourd'hui pour moi. Voilà, pour tous ceux qui n'ont jamais vu en vrai un supporter du LOSC italien, venez tous au match la semaine prochaine, samedi, vous aurez l'occasion de le voir. Il n'a pas de compte Twitter ou Instagram, mais il fait partie des Dogs de Paris. Il s'appelle Julien, vous le reconnaissez. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous, et si tu parles de LOSC 3, ce sera dimanche à 13h et pas samedi. Ce sera dimanche à 13h. C'est parce que je ne serai pas là. C'est pour ça en fait, que j'ai pas noté le jour. Je suis absent. Non, mais c'est parce que si Lorenzo se pointe samedi, il sera tout seul au stade, quoi. Ah ouais, c'est pas faux. Il passe à la boutique, il y a les soldes, pas plus. Voilà, donc venez dimanche pour voir Lorenzo. Dimanche à quelle heure? C'est 13h, c'est ça? 13h, horaire chinois. Dimanche 13h, et un clin d'œil effectivement à tous les téléspectateurs chinois qui vont assister à ce match. Vous le reconnaissez, ça faisait quelques semaines qu'il n'était pas venu, mais il est de retour, la barbe bien fournie. Gildas, bonsoir Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous les piliers. Meilleurs voeux à tous, vu que je n'étais pas là la semaine dernière. Et meilleurs voeux à notre équipe et à tous les auditeurs. C'est également son retour. Il a une barbe un peu moins fournie, mais assez proéminente. C'est notre supporter du LOSC de la région de Dunkerque. Bonsoir Georges. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et pareillement, un meilleur vœu, puisque je reprends le train du bistrot cette semaine. Voilà, on va passer tout de suite à la première partie de cette émission, donc un retour sur le match de Coupe de France, donc de ce week-end. Coupe de France 3, les Lillois passent la 16e. Alors, très rapidement, avant de commencer à avoir votre sentiment sur le match, comme on fait habituellement, peut-être clôturer cette polémique qui nous a occupé la semaine dernière, avec finalement la réaction des DVE qui faisait suite à la réaction de Fonseca, qui l'ont acclamé au début de match. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, cette polémique, c'est un peu comme l'œuvre de Shakespeare? Alors, citer Shakespeare dans une émission sur le foot, c'est quand même assez fort. Mais donc, c'est son œuvre, beaucoup de bruit pour rien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un malaise? Est-ce que c'est un risque de malaise? Comment vous avez vécu cette polémique? Qui veut commencer? Moi, je veux bien en toucher deux mots, parce que la polémique, avant match, oui. Par contre,
L'acclamation au début de match, je ne sais pas parce que je ne sais pas vous, mais moi je l'ai pas vu le début du match puisque je suis rentré. Le match était déjà entamé parce que on a mis énormément de temps à rentrer sous la pluie. On a attendu dehors énormément de temps. On était ensemble en partie. Donc le début de match, je l'ai pas vu. Donc je peux pas trop en parler. Je vais vous laisser faire. Une demi-heure à rentrer dimanche. Une demi-heure. Quelle belle transition. Ce n'est pas du tout là où je voulais en venir, pas du tout. D'ailleurs, on peut même se demander si ce n'est pas effectivement la direction du club qui a fait exprès de mettre des barrières à l'entrée du stade pour éviter que trop de gens acclament Fonseca. Je ne sais pas, c'est la théorie du complot chère à certains de nos internautes favoris. Comment, à part cette petite plaisanterie, comment vous avez vécu finalement cette polémique Gildas et Georges qui n'étaient pas là la semaine dernière? Je t'en prie, Gildas. Moi, d'une manière générale, j'aime pas trop les entraîneurs qui s'en prennent aux supporters. Je trouve que c'est une polémique. C'est pas vraiment une polémique parce que finalement, Fonseca est revenu sur sa déclaration, sur ses mots assez rapidement, en disant que j'accepte la critique, qu'il était ouvert avec la critique. Il a dit ça sur le ton de la frustration. Et moi, quand j'ai lu ça, la première fois, j'ai dit, déjà, il faut qu'il... Quand on est entraîneur de haut niveau, la première chose, c'est d'être, on va dire, d'accepter la critique, même si elle est injuste ou pas. Ça fait partie du jeu. S'il va à Marseille, il va être servi, quoi. Donc, ça me tient qu'il irait. Donc, pas très bien, mais après, je ne crois pas que les DVE s'en soit pris vraiment à Fonseca, je n'ai pas l'impression. Je pense pas que ce soit. Je pense aussi qu'il y a la frustration des points perdus d'une part, et la frustration aussi de Fonseca qui a dit ça sur l'émotion. On va dire, j'accepte pas trop les sifflets. Et pour un stade de foot, il faut, si on accepte les applaudissements, les ovations, il faut aussi accepter les sifflets. Ouais, les DVE ne s'en sont pas pris au stade à Fonseca, c'était plus par rapport au communiqué qu'ils ont fait, qui était un peu maladroit. Comme tu l'as bien dit la semaine dernière, je ne crois pas du tout que ce soit contre Fonseca, contre sa façon de jouer. Au contraire, cette année, on est plutôt gâté niveau jeu, même si ça ne se traduit pas toujours dans les résultats. On ne peut pas comparer Fonseca à Gourvennec, évidemment, et à d'autres avant. Donc, je crois que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, quoi, finalement. Il y a eu de la frustration des deux côtés, tout est rentré dans l'ordre, donc maintenant, avançons, mais Fonseca, pour moi, il faut qu'il se fasse à l'idée de la critique, puisque c'est le lot du sport du haut niveau, c'est le lot de tous les joueurs, même des plus grands, donc lui y compris. C'est une façon aussi, on pourrait dire, de se cacher de ses responsabilités, on dit, voilà, j'accepte pas la critique, bon, évidemment, il est critiquable comme tout le monde, donc c'est la règle du jeu, et s'il accepte les applaudissements, qu'il accepte aussi les sifflets, même si pour moi, c'était pas vraiment, tu l'as bien résumé la semaine dernière, c'était pas vraiment sur son jeu à lui. C'était pas vraiment l'objet des sifflets, quoi. Georges, tu en pensais quoi, toi, qui était absent aussi la semaine dernière? Moi, j'ai suivi ça comme un non-événement depuis le début, parce que je pense que le truc qui a un petit peu alimenté le questionnement autour de sa déclaration, évidemment, c'est menace de s'en aller dans un contexte où quelques temps auparavant, il y avait une rumeur qui laissait entendre qu'il aurait pu reprendre Portugal. Donc ça a pu gérer un peu. Mais pour moi, non, c'est pas. C'est un non-événement. D'abord, je pense que ça a été dit à chaud au moment d'une conférence de presse, juste après. Et globalement, si on devait retenir un truc positif de ce point de vue-là, quand même, au moins, le positif de ça, c'est que au moins, il a assumé en tout cas la prestation du soir. Il ne s'est pas caché derrière ses joueurs pour dire ils ont été mauvais. C'est son jeu à lui qu'il a mis en avant. Je pense que voilà, ça a été un excès de langage qu'il a sitôt rectifié, quoi. C'est pas comme s'il avait dit que Zidane, il s'en cognait. C'est alors pas que si ça se trouve, il s'en cogne quand même. Je crois que lui, il a le droit. Lui, non mais François, c'est une
communication classique d'un entraîneur qui veut protéger ses joueurs. Hein. Bien sûr, tout à fait. Non, mais c'est ça qui est important, je pense. C'est ça que j'apprécie malgré tout. C'est pour ça que moi, ça reste quand même un non-événement. Bon, il a été un peu irrité. Je crois que les supporters aussi, je crois que la frustration est plus du fait, aussi, je pense, hein, on en a parlé ici, je crois que Julien l'avait évoqué, mais le fait aussi, bon, encore une fois, peut-être revenir s'envoler des points bêtement dans un match où on est largement au-dessus, dans un contexte où on a un voisin qui est en pleine réussite. Enfin voilà, je pense que tout ça fait qu'il y a une espèce d'incompréhension globale qui est arrivée à ce genre de situation, mais où au final, ce n'est pas bien grave, quoi. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, intervenir en direct sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot de l'Osc. D'ailleurs, vous le faites déjà, vous êtes déjà nombreux à intervenir. On a Marcel, qu'on connaît bien ici au Bistrot, qui nous dit on a quand même des polémiques à deux balles, Marseille et Paris, c'est autre chose en polémique. Il n'a pas tort, c'est ce qu'on disait ici à l'instant. Et il y a également des supporters qui trouve que, Christophe, tu avais raison de dénoncer finalement cette entrée au stade un peu chaotique, qu'on avait déjà connue d'ailleurs l'année dernière pour le premier tour du match de Coupe contre Auxerre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et j'espère qu'ils ouvriront une ou deux portes de plus pour le prochain match contre Pau. Et qu'on arrivera à rentrer sans devoir se présenter 2 heures avant le début du match. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Lorenzo, tu n'as pas encore parlé, tu bah, préfères? En fait, non, moi, ce que je dis, c'est que je trouve Fonseca beaucoup plus, je ne sais pas, il n'a pas trop accepté la critique et on a l'impression qu'il n'accepte pas trop la critique parce que selon moi, ça continue. Ça vient du fait que à la Roma, comment elle est partie, comment elle a été critiquée, je ne sais pas. Après, c'est autre chose. Mais je trouve qu'il est un peu... Il est plus susceptible par rapport à ce qu'il était en Italie. Et je pense que c'est dû au fait qu'il a été, entre guillemets, sportivement tué en Italie par les critiques et par tout ça. Moi, c'est ma lecture. Moi, j'ai essayé à l'expliquer en italien sur ma page, juste hein, vraiment... Sans rentrer dedans, parce que je ne connais pas vraiment les DV ou le groupe ou ce qu'il y a dedans, on n'est pas assez, c'est quoi non, le fil qui lit tout ça, mais juste en essayant d'être le plus objectif possible, en expliquant ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est déjà un truc qu'on peut dire que ça fait partie du passé, parce que comme j'ai dit, on est à moitié saison, même pas, donc c'est trop encore pour arriver au jugement. Voilà, je vous propose, après ce court préambule, de passer dans le vif du sujet, de revenir sur le côté sportif de ce rendez-vous contre Troyes. Alors, qui veut commencer? Votre sentiment sur ce match, une victoire qui paraît facile, même si l'adversaire était quand même une équipe extrêmement remaniée, et si on a bénéficié finalement d'une passe décisive de notre défenseur favori Adil Rami qui a débloqué le match en notre faveur. Comment vous avez ressenti ce match? Alors Christophe, là, je vais commencer par toi parce que je sais que tu l'as vu, tu étais très bien placé. Oui, j'étais bien accompagné surtout. Donc, mais malheureusement, c'est le genre de match où on ressort en se disant ben, oui, on a vu une victoire, mais finalement, on n'a pas eu peur et ça fait du bien de temps en temps. Alors en dehors d'un arrêt de Chevalier que d'ailleurs Georges avait... relevé comme étant un arrêt digne de Banks. En dehors de cette occasion, il se passe pas grand-chose côté troyen. Donc voilà, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des matchs faciles comme ça où on se dit tiens, on va pas en prendre ce soir et on va pas galérer, on va pas se retrouver encore à devoir courir après un résultat. Et puis finalement, on aurait dû marquer plus et c'est peut-être ça que je retiens, c'est qu'on a largement de quoi faire mieux contre une équipe assez faible finalement. Défensivement, c'était vraiment pas le top, et voilà. C'est mon ressenti, c'est ça, un peu de frustration, mais vraiment pas grand chose. C'est pas grave, on a gagné 2-0, c'est super, mais on aurait dû faire mieux et on aurait dû claquer quoi. Gildas, tu as vu le match au stade ou à la télé? Non, j'étais au stade. Comment tu l'as stade. Tu as vécu? Alors, Christophe disait qu'il avait pas eu peur. Moi, j'ai pas trop eu peur non plus, mais j'ai pas eu peur non plus contre Reims et on a pris un but sur leur seule occasion en deuxième mi-temps.
Donc, avec ce LOSC-là, cette année, il faut toujours avoir peur, malheureusement. Bon, on a été très sérieux, on a été appliqué, on a fait le boulot. J'ai trouvé l'animation offensive pas mal, vraiment pas mal. On a toujours le même problème de finition, ça ne change pas. On aurait dû se mettre à l'abri bien avant. Et moi, je retire de ce match, on en viendra peut-être dans les tops et les flops, mais deux joueurs qui sont pour moi, qui ont pour moi donné vraiment une bonne impression, qui sont Baleba et le petit Lenny derrière, quoi. On reviendra sur les Yoro. tops et les flops, effectivement, et on pourra éventuellement faire un focus sur la jeune garde du LOSC. Georges, je te vois pressé d'intervenir. Est-ce que tu veux nous donner ton avis sur ce match? Tu l'as Ouais, vu à la c'est. télé? Ouais, j'ai vu à la télé. Et c'est un peu ce que, comme le disait Jules Das, enfin, je trouve qu'on a assuré sans forcément rassurer, parce qu'en effet, on dit qu'il n'y a pas de danger, et en effet, il y a Jurisprudence France, il y a aussi le match de Rennes, il y a tous ces matchs où, comme ça, on était totalement surdominateur, mais vraiment surclasse l'adversaire. Là, cette fois-ci, on a évité la trappe, il faut dire que c'était un 3 vraiment, vraiment, vraiment très faible. Mais contre qui, il y a quand même quelques, notamment en première mi-temps, l'arrêt exceptionnel de Chevalier. Et en deuxième mi-temps, quelques fébrilités que j'ai senties, heureusement, qui ont été sans conséquence, mais qui ont amené des situations. Et moi, je me dis que c'est vraiment un match qu'on aurait dû tuer très vite, très tôt. On a vendangé un nom pas possible d'occasion. Évidemment, à 2-0, on souffle et on sait que c'est fini. Mais avant ça, même si on n'était pas mis en danger, il y avait la frayeur un peu de se redire, tiens, ils vont nous refaire le coup. Ils vont nous refaire le coup qui a été fait 3-4 fois. Enfin, je veux dire, on va éviter de faire la compta de tous ces matchs qu'on n'aurait jamais dû, enfin, qu'on aurait dû gagner très largement et sur lesquels, finalement, on a laissé pas mal de plumes. Et c'est un peu ce côté-là, moi, qui m'embête. C'est un petit peu la vérité des deux surfaces où, sur le terrain, depuis le début de la saison, on parle du jeu Fonseca est extraordinaire, mais il y a un vrai problème de finition. Et il y a aussi régulièrement, de la part de certains joueurs, des fébrilités défensives. Et ça, je pense que vraiment, faut les corriger parce qu'on sait déjà que de toute façon, ces trucs-là nous vaudront d'énormes regrets à la fin de la saison. Et Après, il y a la qualif et tant mieux. même sur ce match, parce qu'à 1-0, il y a une très grosse occasion de 3 à la Oui, 60e, bien je crois. sûr. Non, mais c'est ça. Donc aller au fond, c'est la même chose, elle passe à ça. Hein, donc, Ah oui, Trifred sur la page Facebook dit depuis le début de saison, pour lui, on a perdu 16 points en n'étant pas Ouais, c'est ça. tueur. Alors, c'est une statistique, vous devez vous dire, qu'est-ce qui se passe? On évoque un match, il n'y a pas de statistiques, elles sont là, je vous les ai préparées. Il y a une nette domination arithmétique de Lille, hein, sur ce match, bien évidemment. Il y a eu 22 tirs lillois contre 6 troyens. 8 tirs cadrés contre 3 troyens, donc le pourcentage est quand même, parlant. 71% de possession lilloise, 29 troyennes. Alors, 741 passes, alors qu'il y en avait 292 pour 3, avec une précision de 90% pour 75% pour les Troyens. 10 fautes à 19, 3 cartons jaunes pour 3, aucun pour Lille. 2 hors-jeu pour Lille, 3 pour 3. Et enfin, en corner, c'est la seule stat où 3 nous domine, c'est 3 corners lillois contre 6 pour 3. Quoi Lorenzo, donc? tu as vu ce match aussi à la télévision, je pense. Est-ce Oui, que ces statistiques confirment ton sentiment? et le problème de ne pas fermer le match, de tuer le match, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Après, le problème, à chaque fois, c'est moi, je ne peux pas le donner à l'entraîneur parce que moi, je vous donne l'exemple de Angel Gomez. Je pense que c'était la première mi-temps. La frappe qu'il veut, je ne sais pas pourquoi, enrouler quand il pouvait frapper fort. Et peut-être marqué. Vous voyez, il y a des choix. Même David, il n'était pas vraiment fin comme on s'attend de lui. Il a raté des derniers passes, même s'il est toujours là. Il marque, il est important, rien à dire. C'est juste vraiment cette impression qu'on ne tue pas le match et que si l'équipe adversaire il fait un contre deux ou une occasion un peu plus dangereuse, ça peut marquer. Après, avec Chevalier, c'est déjà différent. On n'est plus sûr. C'est un peu comme, je pense, c'était avant avec Maignan qui a sauvé des matchs. Et Chevalier a fait la même chose cette année. Mais être toujours comme ça, 1-0, tu frappes 2, 3, 4, 5 fois, comme on a fait les premiers 15-20 minutes du deuxième mi-temps, je ne sais pas, franchement, voilà. Moi, je dis que c'est faute aux joueurs, dans le sens qu'ils n'arrivent pas à être
trop fin et tuer le match comme il devait. Mais après, ça, voilà, c'est ce qu'on a parlé toute l'année. Ouais. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les tops et les flops. C'est en tout cas le sentiment que je peux avoir. Julien, tu as quelque chose à rajouter sur ton sentiment sur le match? Toi aussi, tu étais en très bonne compagnie, je pense, dimanche. Ouais, j'étais très bien accompagné. Alors après, j'avais des hooligans à côté de moi qui étaient souvent dans les escaliers, dans l'allée, et à qui on demandait de revenir sur les sièges. Donc ça, c'était un peu le problème. Je pense à des crânes rasés, en l'occurrence. Mais sinon, à part cet individu, c'était un match que j'ai trouvé agréable. Parce qu'il y a une vraie domination, il y a une vraie domination technique. Après, concernant l'animation offensive, je trouve qu'on tricote trop. Je trouve que Cabella et Ounas ont fait trop de passes aveugles, de gris-gris. Il y a vraiment un besoin de simplifier le jeu. Et ça a vraiment manqué. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des entraînements avec Fonseca pour que les mecs jouent plus en première intention, qu'ils jouent plus simple. Parce que finalement, dans ce jeu beaucoup plus simple qui consiste à jouer avec Ismaili sur l'aile gauche qui va centrer, il y a eu des occasions plus dangereuses que quand il venait jouer à terre, jouer dans le centre, une passe, tu refais une passe. Et de fil en aiguille, à chaque fois, on aurait dit qu'ils essayaient d'aller jusque dans le but, de rentrer dans les 16,50 m pour ne tirer que quand ils étaient à 5 mètres du but, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, finalement. Il y a assez peu de mecs qui tentent leur chance de loin, sauf Zegrova, mais malheureusement, on aimerait qu'il ne le fasse pas, puisqu'on aimerait qu'il ne joue pas. Alors, il y a Marcel qui te pose une question sur le chat. Il demande, c'était qui les hooligans? Ça m'est difficile de lui répondre parce que je n'ai pas l'habitude de la délation. Bon, écoute, on va retenir cette réponse. Alors, sur cette journée du dimanche, j'ai autre chose à dire. Ah, surtout, vas-y. Je viens de voir que Fabien était là. Et je sais que ça va être important pour Fabien. Je suis parfois critique avec le club, mais là, Olivier Létang, dimanche, à 15h, il était à Lincel pour rendre hommage à Vincent et Antoine, qui sont des supporters du LOSC, qui sont décédés maintenant il y a 12 ans, après avoir été pris en otage au Mali. Et j'ai trouvé super, parce que pour le coup, je pense qu'il avait vraiment autre chose à faire un dimanche à 15h, et surtout un jour de match, qu'Olivier Létang soit allé leur rendre hommage. Alors, c'était un hommage rendu par Olivier Létang. Il y avait aussi un représentant des DVE. Donc voilà, je tenais à en parler ce soir, parce que c'est important pour la section Lincel, c'est important pour les supporters du LOSC, parce qu'il y a 12 ans, on a perdu certains des nôtres. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de la part de notre président. Voilà, donc je tenais à le dire, parce que je suis le premier à l'allumer. Et je veux aussi être le premier à dire quand je trouve que ce qu'il fait, c'est chouette. Et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à plusieurs reprises, et notamment la dernière fois où j'ai eu l'occasion de le croiser sur France Bleu, c'est qu'il avait cette volonté d'être dans une démarche citoyenne près des supporters et près de toute la vie finalement de la cité au sens large. Donc acte, et puis bravo à lui. Je vous propose d'enchaîner avec vos tops et vos flops, donc les tops et flops donc, de l'équipe lilloise, et vous pouvez aussi, si vous avez un joueur troyen qui vous a remarqué, que vous avez remarqué dans un sens ou dans l'autre, n'hésitez pas à le mentionner. Alors on va commencer par Christophe, quels sont tes tops, quels sont tes flops? Rapidement, j'ai bien aimé le match de Jonathan David, au-delà de son but, je l'ai trouvé bien physiquement. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, j'ai aimé ses déplacements, j'ai aimé ses courses. Enfin, voilà, j'ai aimé les. Alors, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu être un peu plus efficace devant le but, mais voilà, j'ai aimé son match. J'ai moins aimé, comme le disait Julien, le match de Cabella et de Ounas, mais notamment Ounas, qui n'a pas apporté grand-chose. Et encore une fois, le match Ismaili aussi, voilà, il revient très très bien après sa blessure, après sa longue absence, et ça va nous faire du bien en championnat. Après, côté Troyen, alors il nous fait une passe décisive effectivement, mais le retour de Rami, c'est toujours un bonheur de revoir sur le terrain et de le revoir à Lille, donc je voudrais le mettre en avant, alors pas comme un top, pas comme un flop, juste comme un plaisir de le voir. Ben écoute, on s'associe complètement à ce sentiment. Lorenzo, est-ce que tu nous fais part de ta sélection? Alors, même si je l'ai critiqué, moi je mettrais Jonathan David parce que je pense que sans les buts de David cette année, on aurait perdu quelques points en plus parce qu'il est toujours là, il marque. Donc voilà, moi à chaque fois je dis, j'espère que cette deuxième partie, ça sera comme la première de l'année dernière. Et après, je mettrais Baleba. Franchement, moi je suis impressionné. Je vous avoue que
J'ai écouté, je lisais beaucoup de choses, je me suis dit, ok, mais peut-être c'est un peu très tôt pour le mettre en avance. Et là, je commence vraiment à penser que s'il n'y a pas moyen d'acheter des joueurs, je pense même à la défense avec Yoro, bah, il faudrait utiliser les jeunes, ce n'est pas question d'être très tôt ou très tard. Donc franchement, Balema m'a impressionné. Et je vous avoue que peut-être on a devant, selon moi, un milieu de terrain peut-être plus fort qu'on en a, que l'année dernière, il nous semblait vraiment le futur qu'on avait. Et après, bon, il est parti un peu tôt. Voilà. Donc, David et Baleba. Flop. Alexandro, moi, au début d'année, j'ai dit non, mais je le sens costaud physiquement, tout ça, etc. Mais il est trop fébrile techniquement. Je pense qu'il... Il peut avoir le niveau d'une équipe de bas au milieu de tableau, peut-être, mais pas le niveau pour Lille. Ou à un moment donné, c'est pas facile. Donc voilà, je mettrai lui. Et côté Troyen, je mettrai dans les flops Larossi, arrière gauche. Et lui, je le connaissais parce qu'il y avait des équipes en Italie qui l'ont cherché l'année dernière. Et ça se voit qu'il est un très bon joueur, c'est en 2000 ans. Donc je pense qu'il va avoir futur. Julien, je te vois sourire. Je me marre en voyant les commentaires de Vieux qui dit Alessandro, il est rigolo. Eh bien, Alessandro, il est rigolo. Ouais, ce sera mon premier flop, complètement à côté de la plaque. Absolument pas de culture tactique, a priori, de ce qu'on voit. En tout cas, il va falloir qu'elle vienne parce qu'il ne sait même pas se placer. Il a raté des ballons, mais des trucs, c'est indigne de la Ligue 1. Enfin, s'il ne siffle pas, parce que pour moi, ce n'était pas faute sur lui, je ne sais pas c'était qui le joueur de 3 qu'il pouvait aller marquer. Quand il a faute parce que lui, il avait raté un contrôle, je ne sais pas quoi. Donc, franchement... Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment à côté de la plaque. Et ça me paraît compliqué. Je pense qu'il va falloir du temps pour qu'il soit mieux. Et je mettrai en deuxième flop Ounas et Cabella pour les raisons évoquées tout à l'heure. Pas parce qu'ils ne sont pas bougés, hein, parce qu'ils sont bien investis et il n'y a pas grand-chose à leur reprocher sur leur investissement et sur leur envie. En revanche, dans l'état d'esprit, il y a presque une forme d'arrogance dans cette façon d'être un peu dans une attitude futsal. Je vais te mettre un petit pont, je vais te mettre un drift, je vais te faire une passe aveugle qui m'ont vraiment dérangé. Je trouvais que ça manquait d'humilité et surtout qu'on avait face à nous une équipe très jeune. Si Adil Rami se retrouve sur le terrain, ce qu'il n'a quasiment jamais été de la saison, et capitaine, c'est pour une vraie raison. C'est qu'on voulait mettre un ancien pour encadrer une équipe de jeunes. On a joué une équipe qui était quand même plus proche du niveau N2 que du niveau L1. Hein. Faut bien se le dire, ça aussi, c'est important. Donc dans ce cadre-là, j'aurais aimé qu'il fasse preuve d'un peu plus d'humilité. Dans les tops, je ne vais pas être original, David, Yoro, Baleba, évidemment. Et puis encore une fois, un petit satisfecit pour Ismaili, parce que j'ai été déçu par ces deux premiers matchs où je l'ai trouvé en dedans, avec beaucoup moins d'apport offensif que d'habitude. Et là, franchement, on ne peut pas lui reprocher son manque d'apport offensif. Il a été là, il a fait beaucoup d'une-deux, il a fait beaucoup de centres, il a essayé de revenir aussi pour vraiment créer le surnombre quand il rentrait. Donc j'ai retrouvé l'Ismaili que j'aime tellement et qui apporte tellement au collectif. Donc il m'a beaucoup plu et j'espère qu'on va le voir dès demain sur le terrain jouer comme ça, ce serait très chouette. Avant de passer la parole à Gildas et Georges, les commentaires sur les réseaux sociaux rejoignent un peu votre sentiment. On a Trifred, flop Alexandro qui ralentit le jeu, qui est inquiétant. En top, Benjamin André, qu'on n'a pas encore cité. On a Capenoul, top Baleba, David, Yoro, Bayo. Trifred, Baleba, top, un futur grand talent. Meilleur joueur, Carlos pour José David. Flop Ounas pour Capenoul. On a Yoro, Baleba, énorme pour Jean-Marc. On a Marcel qui a repéré à 3 quelques joueurs qui pourraient jouer en Ligue 1. Donc c'est un peu ce que je disais. Ouais. Quel bel esprit d'analyse. Et donc, Alexandro, il est rigolo. Chevalier, Yoro, Baleba et Bayo, c'est une bonne charnière. Alexandro pour Jean-Marc, ultra flop. Cabella, Ouna, c'était pareil contre Reims. Donc on a des commentaires qui vont un peu dans le même sens. Gildas, est-ce que ton avis converge ou diverge? Ouais, tout à fait, on a vu le même match. Alors je dirais diverge, c'est beaucoup, hein. C'est vrai.
Oui, donc Le blanc. J'y pensais au moment où je le disais. Il n'y en a quand même pas un qui va relever. Eh bien, si. C'était une des blagues préférées de Michel Denisot. Bon. Pour mettre mal à l'aise les gens. Alors, est-ce que, donc, de toute façon, Judas, il s'en fout parce que son avis converge. Gildas, essaie d'enchaîner maintenant. Je vais essayer, oui. Alors, oui, donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc, David qui revient bien parce qu'il y a eu une fin d'année 2022 un petit peu difficile. Il a été très emprunté à la Coupe du Monde et là, je l'ai trouvé vraiment bien. Il y avait un gros abattage très disponible sur la largeur du terrain. On voit qu'il fait un boulot assez incroyable, ce qui fait qu'il perd en lucidité parfois. Mais alors, quel abattage il a. Puis, je crois qu'il est bien physiquement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai bien aimé Baléba. Parce que c'est vraiment un joueur qui a un gros volume de jeu. Hein. Il crée des situations, il casse des lignes. Enfin, c'est un détonateur et je trouve qu'il y a vraiment du potentiel. On voulait le voir en titulaire et il a vraiment tenu la route. Pour moi, il a fait un très bon match. Moi, j'ai beaucoup aimé Yoro. Yoro, moi, je trouve que c'est un joueur élégant. Il a le geste juste, il joue simple, il est sobre. Il est toujours super bien positionné. Puis il veut pas en faire trop, il veut pas faire ce qu'il sait pas faire, quoi. Il a une bonne technique et je dirais même que il a un petit côté Varane, je trouve, dans sa gestuelle. Regardez bien, il y a un petit côté Raphaël Varane, moi je trouve. Bon, après, c'est ce que disait Christophe, alors pas Crico, l'autre, l'habitué de Bollaert, qui disait c'est vrai qu'il me rappelle Varane à ses débuts. Et c'est vrai qu'il connaît bien Varane à ses débuts, hein, forcément. Je ne savais pas, mais j'ai vraiment eu cette impression-là quand on voit jouer Varane. Et il y a vraiment un petit peu de... Donc, on lui souhaite la même carrière. Je crois qu'il a 16 ans et demi. On lui a donné son contrat et quelques... Mais il va falloir... à mon avis, c'est le futur de la charnière. Et il est très encourageant. Alors, en plus aussi, quand même, Bayo, qui, quand même, j'ai l'impression qu'il est adroit, ce joueur. On dit qu'on rate beaucoup d'occasions, mais j'ai l'impression que si lui jouait plus souvent, peut-être que lui raterait moins souvent la cible. Bon, on a noté qu'il frappait aussi fort qu'il est con. Quelle frappe! Ouais, il a une bonne frappe de balle et puis il est à droite, quoi, devant le but, il ne rate pas les occasions, il est mauvais au fond, quoi. Non, c'est méchant, mais il frappe très fort. On a fait le constat que beaucoup ne frappaient pas assez fort, voilà. Mais vraiment, c'est un constat général sur le match. Et Bayo, il arrive, quand il peut frapper, il envoie un pétron et il l'avait déjà fait contre Clermont. Hein. C'est le même but, hein, d'ailleurs, si vous regardez. Même côté, pareil. Même but, même frappe. Il envoie une carte au feu et il m'en manque de joueurs comme ça parce que, comme tu as dit tout à l'heure, Julien, on a des joueurs qui veulent rentrer dans le but avec le ballon quasiment. Quoi. C'est un peu le problème. Il a une autre qualité, Bayo, c'est que quand il marque un but, il célèbre son but juste en face de l'équipe du bistrot. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Bayo bistrot, ça me paraît évident. En tout cas, ça va lui donner confiance et c'est très bien. Alors, en moins, Cabello, j'ai trouvé moins bien que d'habitude. Alexandro, vous avez raison, évoqué par Julien, je ne vais pas aller dire. Et Ounas, alors c'est un très bon détonateur, mais il manque de QI football dans la surface de réparation, quoi, tout simplement. Il a du mal à faire le geste juste. Hein, et bon, c'est dommage, mais il crée des situations au début, mais malheureusement. Il fait jamais trop les bons choix. Il a pas le geste décisif dans la surface de réparation. Donc pour ça, je me mettrais plutôt dans les flops. Et puis voilà. Alors, il y a toujours des commentaires hein, sur les réseaux sociaux. Je vous en livre quelques-uns. Alors, il y a Trifrek qui nous dit « J'ai trouvé Zegrova plus intéressant sur le côté gauche que droit pour le peu de temps qu'il a joué. » Alors, on avait d'ailleurs évoqué cette possibilité sous forme de blague la semaine dernière, mais donc, il faut croire que Fonseca écoute ou regarde le bistrot d'Alelosque, hein, vu qu'il a repris l'idée pendant quelques secondes. Malheureusement, il s'est vite retrouvé à nouveau à droite et il est vite retombé dans ses travers. Et alors, José David qui nous dit d'un air très guilleré, Yoro, c'est notre sauveur, rapide et pas de risque dans son jeu. Il signe son nom d'un Y qui veut dire Yoro, bien sûr. Donc, on a Yoro et Diallo ensemble. C'est une idée pour les prochains matchs. Et puis, il y en a que je ne vais même pas oser sortir parce que je ne vais pas prendre la responsabilité de les sortir. Celle-là, je préfère donner la parole à Georges qui, lui, va nous dire s'il converge ou s'il diverge. Globalement, alors,
Alessandro, pour moi, c'est le vrai flop vestimentaire surtout, parce que le maillot rentre à fond dans le short depuis RDA 1981, ça ne se fait plus. Oh, je ne suis pas d'accord. Ça, voilà. Les chaussettes baissées, c'est la classe. Alors là, il y a vraiment deux écoles. Là, je suis en parfaite opposition. Le short qui est remonté sur le ventre. C'est la classe, c'est la classe. C'est Jacques Chirac des Guignols 2002. Le short remonté sur le ventre, ce n'est pas possible. Voilà. Après, non, plus sérieusement, évidemment, il n'a pas été efficient. Et derrière, il y en a un qui est passé à travers les gouttes. Mais moi, que je trouve très perméable au niveau des flops, ces temps-ci, c'est Diakité. Déjà, à Clermont... dans le parquage, vraiment défensivement, ça passait, il se laissait très souvent déborder, et là encore, j'ai trouvé très fébrile défensivement. Donc, mon flop va vers lui, éventuellement. Ouna, je n'ai pas voulu le mettre, parce que c'est vrai que je vous rejoins sur le côté agaçant, mais bon, il a su exploiter l'erreur de Ravi, et c'est lui quand même qui débloque un peu la situation, même s'il est sacrément aidé par Ravi. Mais donc je ne le mettrai pas en flop, mais je pense que Sanska, largement aussi, il y avait sa place. Et les tops, ben, on les a donnés, Baléba. Baléba, il est impressionnant. Et ben, pas de maîtrise, justement, parce que c'est ce qui est encore à travailler chez lui. C'est à un moment, il y a, on l'a vu contre. Contre trois, il y a eu deux, trois excès de facilité à deux moments où il fait des passes, il rate des passes faciles, mais sinon le reste du match, il a été impérial et impressionnant. Donc à travailler justement cet excès de facilité ou cet excès d'engagement comme il a eu contre Rennes, on voit que des fois, mais il a une marge de progression et je pense vraiment qu'on tient là un joueur extraordinaire. D'ailleurs, je pense que ça donnera la lisibilité sur le projet parce que c'est un garçon qui va falloir se battre pour garder, je pense. Il est vraiment très, très fort et j'aimerais bien que d'ici 2-3 ans il soit encore sous nos couleurs quoi. Donc ça c'est très intéressant, ça c'est très intéressant, bien sûr c'est bah, les bas encore là dans 2-3 ans c'est le baromètre du projet pour moi. Voilà. Ah bah oui, t'as raison. Bon, mais... Non, mais je pense qu'on va se faire, voilà. Mais t'as raison. Bah, évidemment, non, mais c'est ce que je crains aussi, hein. C'est mon appréhension, mais c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce qu'on tient là une pépite. Exactement. Qui a encore à être affinée. Il n'est pas, pour l'instant, c'est pas un football absolu. On le voit, il fait 2-3 boulettes de relance sur le match, où le reste du temps, il est éblouissant. C'est une vraie pépite, et j'espère qu'on va le garder longtemps. Je dis bien, j'espère. Et Yoro, bah, pareil, hein, je trouve que défensivement, notamment en première mi-temps, la façon de se faire respecter. Et puis, bah, je vais rester dans la classe bibou parce qu'on n'en parle pas, mais à quoi on reconnaît un grand gardien de but, c'est quand il est très peu sollicité, qu'il nous sort un arrêt d'exception, ce qu'a exactement fait Lucas Chevalier en première mi-temps avec sa fameuse Gordon Banks. Donc, bah, voilà, quoi, Lucas, il a été quasiment... jamais sollicité, mais le seul arrêt qu'il doit faire, il est exceptionnel et il le fait. Voilà. Et trois, non, j'ai. Bah non, ouais, là, revoir Adil, c'était vraiment sympa, c'était même très émouvant à la mi-temps. Voilà, on gardera juste l'empreinte de ce grand bonhomme qui est passé chez nous. Quoi. Voilà, donc c'était émouvant et ça l'était encore plus de le voir à la télé après en voyant qu'il avait les larmes aux yeux en rentrant à la mi-temps. Non, mais nous, évidemment, dans le stade, on ne l'a pas vu. Et quand j'ai revu les images et j'ai vu qu'il était au bord des larmes, waouh, c'est chouette. Il y a eu un gros plan juste après sa sortie et où on voyait effectivement qu'il avait les yeux rouges sur l'écran du stade. Ça a duré quelques secondes, mais c'était évident. Alors, peut-être la dernière génération, tu as des joueurs qui étaient attachés encore au... J'ai l'impression, peut-être mettre cette époque, dans cette époque-ci, c'est peut-être moins le cas. Et parce qu'il restait longtemps, c'est ce que vient de dire Georges, c'est ça qui est intéressant. Oui. De mémoire, c'est 7 ans, Adil Rami. Ouais, 7 ans dans un club qui fait encore ça aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un peu plus que le retour à Lille. Il a également dit en commentaire après match que c'était sans doute un de ses derniers, qu'il n'aurait peut-être pas forcément l'occasion de beaucoup rejouer encore cette année. Je pense qu'il y avait une charge émotionnelle au-delà du LOSC. Je pense qu'il est proche de la fin, il le ressent, et donc du coup, il y avait une charge énorme, je crois. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était un des grands moments de la soirée, et c'est toujours sympa de voir quelqu'un comme Adil Rami, qui a vraiment marqué l'histoire du club, hein, parce qu'il était là sur les premiers titres, et parce que c'est aussi un joueur qui a terminé champion du monde, et c'est Lille, finalement, qui l'a sorti du niveau amateur, et qui lui a peut-être permis de réaliser cette carrière. Alors, rapidement, pour clore cette partie Coupe de France, tirage au sort contre
Pau le 22 janvier, si je dis pas de bêtises, dimanche 22 janvier. Donc contre Pau dans Ligue 2, est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que vous pensez que le LOSC doit faire de la Coupe de France son objectif prioritaire? Qui veut entamer? Lorenzo. En fait, en regardant les résultats, Nice n'est pas là. Monaco vient de sortir contre Rodez. Le PSG, oui, mais pas ouf, je dirais. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus, je ne veux pas commencer à dire, ouais, tu es contre une équipe de Ligue 2, donc ça va, tu es déjà en huitième de finale, parce que dans le foot, on ne sait jamais. Mais ça sent quand même la possibilité d'arriver en huitième de finale et peut-être. Je ne sais pas, c'était qui la semaine dernière qui disait qu'après cette, je pense après les 16e de finale maintenant, il y a un mois, je pense, pour les 8e au moins. Non, les 8e sont prévus début février. Et puis après, effectivement, okay, il y a plusieurs semaines. Tout à fait. C'est donc, entre... Déjà passé cette partie-là, donc 16e et 8e, et commencer à penser dans une trame finale de saison avec aussi la Coupe de France comme objectif, ça serait pas mal. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont la jouer à fond. Parce que l'année dernière, je pouvais comprendre qu'il y avait la Champions League et tout ça. Donc, peut-être on ne l'a pas joué à fond. Même si le premier match, ça sentait pas mal, mais c'était contre Auxerre, qui est en Ligue 2. Donc, j'espère vraiment que ça peut être l'objectif du club. Après, l'année dernière, contre Lens, il y a quand même une hécatombe covidienne qui fait que je crois qu'ils étaient décimés. Non, le match contre Lens, en plus, c'est pas mal. Ils ont fait un très bon match, mais il manquait, pas oublier qu'il manquait 8 titulaires, quoi. Mais apparemment, enfin, on a quand même un petit peu d'infos en lisant entre les lignes et l'équipe et la Voix du Nord. C'est l'objectif du club cette année. Il y a un objectif de gagner la Coupe de France. Le président est allé parler dans les vestiaires. Ça, c'est ce qu'on comprend entre les lignes en lisant Lucas Chevalier dans La Voix du Nord, qui est interviewé par Olivier Fosseux. Et notre coach dit clairement qu'il adore les coupes. En plus, il en a déjà gagné beaucoup, déjà 4. Hein. Il a gagné une fois la Coupe du Portugal avec Braga et 3 fois la Coupe d'Ukraine avec le Shakhtar. Donc, c'est un habitué de la coupe. Il aime la coupe. Et de toute façon, cette année, si on ne joue pas la coupe, on va gagner quoi? Le championnat, on est déjà largué. Donc, le trophée qu'on peut aller chercher aujourd'hui, c'est la coupe. Ce serait génial. On se le disait dans les travées dimanche, parce que ça nous en ferait 7. Et on se classerait donc, si je ne dis pas de bêtises, 3e au classement des clubs. On passerait Saint-Etienne, tout à fait. Voilà. On a égalité avec Saint-Etienne, avec 6 victoires chacun. Avec 6 victoires. Et donc, on serait derrière le PSG et Marseille. Et je trouve qu'en 3e position, on serait à notre juste place. Et donc c'est même pas qu'il faut la jouer, c'est qu'ils veulent la jouer. Et le meilleur signal qui a été envoyé, c'est cette composition de départ contre 3. On a une équipe de juniors face à nous quasiment avec Papa Adil en capitaine, et nous on a mis la vraie équipe, hein, parce que je vous rappelle que Yoro il est là parce que Fonté il est blessé, c'est pas un choix de faire tourner. On a mis la plus belle équipe qu'on pouvait mettre dimanche face à cette équipe de 3. Donc dans les faits, on a vu que cette année, on jouerait la Coupe de France. Et vraiment, moi, j'ai qu'un rêve, c'est de me retrouver au Stade de France au mois de mai et qu'on revive ces moments. Et on l'avait dit la semaine dernière, je pense que c'est la bonne saison. C'est vraiment la bonne saison, d'autant que vous avez la moitié des clubs français aujourd'hui en Ligue 1 qui ont peur de descendre parce qu'il y a 4 descentes. Donc, clairement, qu'ils ne s'investiront pas. Et on l'a déjà vu, puisqu'il y en a 6 qui sont déjà éliminés. Donc, vraiment, c'est l'année ou jamais pour aller remporter cette Coupe de France. Alors José qui nous dit sur les réseaux sociaux, le bon tirage, on le dira après le match, comme dit l'autre, hein, c'est un grand classique. Pour Trifrel, match piège, parce que Pau a sorti Montpellier, mais ça doit être un objectif car on n'a pas beaucoup de choses à jouer. Jean-Marc, si on a de la chance au tirage, mais ce n'est jamais notre cas. José, ce sera plus dur contre Pau que contre l'équipe bis de Troyes. Voilà, donc on doit. Oui, parce que José qui nous dit oui, le risque c'est de rencontrer Paris en demi ou en finale, malheureusement, donc la coupe est réservée, sous-entendu. On verra, c'est peut-être pas la saison où Paris, justement, risque d'être extrêmement performant sur la compétition de la Coupe de France, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ils n'avaient pas mis la plus grosse équipe, là, pour le coup, eux, ils n'avaient pas mis la plus grosse équipe. Hein.
Oui, bah, après, leur attaque était encore soit expulsée, soit en vacances de Coupe du Monde. Hein. Donc, c'est le bon moment où il faut prendre Paris, je pense, en ce moment. Avec Marquinhos sous Paris, c'est soit en huitième de finale, soit s'ils sortent en Ligue des Champions, ils vont jouer à fond la Coupe de France comme ils ont fait toutes les années. Donc, soit tu la prends avant ou jusqu'en quart, ça dépend où ils allez vous, soit après, ça devient difficile. On donne rendez-vous au PSG début février pour les huitièmes. C'est ça l'idée. Genre, Paris s'arrêtera à Cassel. Oui, c'est vrai. Alors, je rappelle, c'est Paris rencontre le vainqueur du double match, donc voilà. Wascal contre Reims-Sainte-Anne. Et le vainqueur de ce match rencontrera Cassel, le pays de Cassel. Et donc, le vainqueur de cette finale rencontrera le Paris Saint-Germain. Tu as déjà eu un Wascal PSG, je pense. Non, je ne suis pas trop regardé parce que j'étais à Lille. C'était quand j'étais à Lille. Tout à fait. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y a eu un Wascal PSG. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Gildas, sur la Coupe de France? Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'ai un truc à rajouter. D'abord, regretter que les filles se soient faites éliminer par le Havre. Elles ont perdu 3-2, donc c'est dommage parce qu'on y a longtemps cru et la défaite, elle s'est dessinée vraiment en fin de match. Donc ça, c'est dommage, surtout que c'est Elissor, une ancienne Lilloise, qui a un peu porté cette équipe du Havre. Donc ça fout un peu les boules de savoir qu'elle est partie. Et en revanche, un gros coup de chapeau aux jeunes, puisqu'ils sont qualifiés pour les 16e en Gambardella. Ils sont allés gagner 2-3 au camp des loges, hein, puisque les matchs des féminines et des jeunes à Paris se jouent au camp des loges. L'an dernier, au même stade, ils avaient été éliminés par le PSG. Cette année, ils sont passés. Entraînés par Sébastien Pennacchio, qui est un ancien du LOSC et surtout qui est un mec adorable. On a eu la chance de le croiser dans l'Eurostar pour aller au match de Chelsea l'an dernier. Et c'est vraiment un mec qui est super, qui est gentil, qui est accessible. C'est un super gars. Donc voilà, bravo, bravo aux jeunes et bravo à Sébastien Pennacchio. Et pour revenir sur ta question de base, le chemin le plus court pour l'Europe peut-être, mais c'est surtout essayer de gagner cette compétition qui est pour moi une des plus belles, qui réunit le football professionnel, le football amateur, et c'est sans doute ma plus grosse émotion en tant que spectateur dans un stade, la victoire contre Paris, et voilà, juste revivre un moment comme celui-là, il n'y a que la coupe et une finale, parce que ça se joue sur un match et il n'y a rien de mieux que ça. Tout le monde est d'accord, je pense, je vois tout le monde acquiescer. Ouais, tout à fait d'accord avec. Alors, moi, je dirais qu'il faut toujours en faire une priorité, finalement, sauf s'il y a des matchs de Coupe d'Europe entre deux, mais c'est vraiment une compétition sacrée, on a tous envie de revivre ça. Et ce que disait Lorenzo tout à l'heure, c'est assez vrai par rapport au PSG. Le PSG, c'est souvent la coupe de consolation du PSG. Quand ils sortent de Ligue des Champions, ils en font un objectif, ils se mettent à fond dessus, donc qu'ils aillent le plus loin possible en Ligue des Champions, ce serait mieux. Et puis, il y a aussi un élément maintenant, c'est qu'il faut faire attention contre les équipes d'un niveau un petit peu de division inférieure, parce que si vous ne gagnez pas dans le temps réglementaire, vous allez directement au tir au but. Et dans ce cas-là, voilà, ça ne veut pas rentrer, on est à 1-0, corner, boum, après il y a les tirs au but, et là, on n'a pas Maignan, quoi. Donc, après, c'est un peu le souci, mais effectivement, on a tous envie de revivre ce qu'on a vécu en 2011. Hein. Je crois qu'on a tous un petit peu essuyé notre larme quand on a soulevé la coupe en 2011. Ça a été une grosse émotion, donc on a envie de revivre ça. Alors, on n'a pas Maignan et on n'aura pas toujours en face de nous Sotoka. Donc, c'est vrai que les pénalties ne sont pas toujours une chose facile. Je vous propose de terminer cette histoire de Coupe de France. Et il est 21h20 et de passer finalement à la deuxième partie de cette émission. Alors, la partie championnat, on commence par le prochain match qui a lieu demain soir à 19h. Brest-Lille, les choses s'enchaînent très très vite. Donc, enchaîné en Bretagne, Brest rapidement 17e du championnat, premier relégable avec 13 points, ils sont à 2 points du 16e, donc le premier non relégable, 17 matchs joués, 3 victoires seulement, 4 nuls, 10 défaites, 18 buts pour, 33 buts contre, c'est-à-dire un goal average de moins 15, et pour votre information, les trois victoires de Brest ont eu lieu contre Angers, Troyes et Clermont, donc des victoires contre plutôt les petits. Alors, que pensez-vous de ce match? Un stade qui nous, Francis Leblay, qui ne nous réussit pas beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Qu'est-ce que vous craignez de ce match? Est-ce que vous êtes confiant?
Julien, je te vois secouer la tête. Hein. Ouais, on a perdu 3-2 et on a perdu 2-0 là, l'an dernier. Donc, le stade Francis Leblay, avant qu'il change, c'est pas notre stade préféré. Moi, ce que je note surtout, c'est que pour moi, Brest est symbolique de ces nombreuses équipes de Ligue 1, j'en parlais tout à l'heure, qui ont peur de descendre et qui font un peu n'importe quoi. Parce que Michel Derzakarian, il se fait virer il y a 3 mois, début octobre, et ils viennent de faire signer Roy, hein, Éric Roy. Ouais. Éric Roy qui n'avait plus entraîné depuis 2011, qui n'a été entraîneur que 18 mois de l'OGC Nice en 2011, c'est quand même pas long et ça ne s'est pas soldé par une grande réussite. Derrière, il a plutôt été ou manager, et on se souvient de son passage à Lens. Oh, j'ai dit le mot interdit, pardon. Excusez-moi. On peut couper on coupe le direct, il n'y a pas de souci. Pardon. Donc, ou consultant sur France Télé. Et pourquoi on va chercher Éric Roy, ce qui sort dans la presse, parce que j'ai lu un peu le télégramme là avant l'émission, c'est que sa plus grosse qualité, tenez-vous bien, c'est qu'il a le BEPF. Donc le mec, il a le BEPF et c'est une raison suffisante pour le prendre en entraîneur principal, parce que personne ne l'avait, et surtout pas l'entraîneur de la réserve qui était censé gérer l'intérim. Bruno Grougy, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation? Parce que Michel Desacarian, il lui restait beaucoup de contrats. Et ses indemnités de départ, c'était 1,5 million. Donc les mecs, ils se retrouvent comme ça, parce que Brest, on n'est pas sur des gros budgets. Hein. Les mecs se retrouvent comme ça, parce qu'un million et demi pour Derzakarian. Donc ils n'ont pas d'oseille pour se prendre un nouvel entraîneur. Il leur faut quelqu'un avec le BEPF, sinon ils payent des amendes, donc ils prennent quelqu'un. Et ils se retrouvent avec Éric Roy. Enfin, n'importe quel connaisseur de football s'est posé la question là, il y a 10 jours, mais pourquoi Éric Roy? Et il n'y a pas que ce club-là qui fait ça, quoi. On voit qu'il y a une forme de... Une forme de stress total, de panique générale, parce qu'il y a 4 descentes cette année et qu'ils ont tous peur de se retrouver en Ligue 2. Et on sait à quel point c'est difficile de remonter en Ligue 1 quand on est en Ligue 2. Donc, bah, ce titre-là, un club qui ne sent pas la sérénité, qui a perdu ses 2 derniers matchs, qui a gagné des matchs que contre les petits, bah, pour moi, c'est une victoire obligatoire. Je ne vois pas comment on peut ne pas gagner contre Brest. Hein. Georges, je te vois opiner du chef. Bah oui. Moi, l'idée des stades maudits, des bêtes noires et compagnie, n'étant pas du tout superstitieux, j'en viens à la réalité. Factuellement, Brest, actuellement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus faible en Ligue 1, même s'ils sont que 17e. J'ai vu Angers et Strasbourg derrière où c'est pas terrible, c'est quand même au-dessus des Brestois, quoi. C'est quasi un néant footballistique. Donc, bah oui, je rejoins Julien. Outre le fait que la gestion du club soit ce qu'elle est, de toute façon, ils ont perdu énormément de joueurs de qualité. Ça se ressent sur le terrain, ça se ressent dans les résultats. Et on ne peut pas, là, pour le coup, on parlait de 16 points déjà avant danger depuis le début de la saison. Là, il y en a 3 à prendre. Après, sur les rendez-vous à l'extérieur, ce type de match, ils nous réussissent plutôt pas mal. Hein. Je repense à ce qu'on a fait à Ajaccio, à Montpellier, à Strasbourg. Donc, il y a matière à faire quelque chose. Et vraiment, enfin, moi, c'est une victoire sinon rien. Alors, on a sur les réseaux sociaux, on a Capenoul qui, je rappelle, est un membre éminent des Dogs de l'Ouest, hein, nous invite à tous venir supporter le LOSC demain à Brest avec un argument massu, c'est que demain il ne pleuvra pas à Brest. Et au pire, il pleut que sur les cours en Bretagne. Voilà. Alors Lorenzo, est-ce que tu veux nous donner ton sentiment sur ce match, ce que tu en attends, quelles sont les craintes ou les espoirs que tu peux avoir? Alors, par rapport à Brest, juste pour conclure ce que disait Julien, c'est qu'ils ont parlé de ça en Italie, imagine. Du fait qu'ils ont appelé quelqu'un qui n'entraînait pas depuis 2011. Donc, voilà, imagine un peu. Ça fait déjà une nouvelle. Et par rapport à Brest, c'est vrai qu'on perd ce match-là même avec Galtier l'année du titre, mais c'est surtout l'année dernière, je pense qu'on sort un des pires matchs qu'on a fait. Bon, c'était janvier, on voulait enchaîner avant de jouer cette Champions League contre Chelsea, tout ça. Demain, c'est janvier. Hein. Non. Il n'y a pas de Champions League derrière. C'est vrai. Mais l'année dernière, c'était vraiment autre chose parce que même Brest, ils étaient dans un autre niveau. Ils avaient gagné 5 ou 6 matchs d'affilée, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment autre chose. Nous, en plus, je pense que c'est le match où Burak, il s'embrouille un peu avec Gourvennec, tout ça. Donc, c'était vraiment un match à oublier. Et pour l'oublier définitivement, je dirais que
et 3 points selon la clé, quoi. Parce que là, on enchaîne Brest 3 et je ne me rappelle pas c'est quoi après, parce qu'il y a la Coupe de France, après je ne me rappelle pas. Bon, il y a Nice. Mais ces deux matchs, ce sont très importants pour enchaîner et pour continuer à rester là en attendant un peu ça se passe quoi dans cette Ligue 1. Donc, c'est là que les gagner. En aparté, l'année d'avant où on perd 3-2 à Brest, c'est 62 heures, je crois que c'est Marcel Vieux qui avait chronométré, après l'exploit de San Siro. Donc pareil, je pense que l'équipe était un petit peu dans son sas de décompression, quoi. Non, mais en plus, les premières 20 minutes, je pense qu'on prend Ah, on 3 buts. prend les trois tout de suite, C'est un ouais. blackout total. Et si Bourac ne met pas un poteau en fin de match, je pense qu'on finit invaincu à l'extérieur cette saison-là, puisque c'est la seule défaite hors des bases, quoi. Oui, alors pour revenir au calendrier, effectivement, il y a le match de Coupe de France après. Après, il y a le déplacement à Nice et ensuite, début février, on reçoit Clermont. Voilà, c'est pour les prochaines échéances du club. Donc, Nice et Clermont, Nice, hein, le grand rendez-vous des Dogues du Net. Hein, on vous prépare d'ailleurs peut-être une petite surprise, on y reviendra, pas tout à l'heure, mais dans les prochains jours. Hein. Christophe, tu veux réagir sur ce match de Brest? Moi, il m'inquiète parce que j'ai peur de voir un match fermé parce que l'équipe de Brest, est déjà pas très bien engagée dans le championnat. Ils vont enfin, ils vont jouer contre Toulouse à Toulouse. Après, ils jouent un match assez important également contre Lyon. Ils enchaînent avec le Racing Club de Lens, un petit club de Ligue 1. Ils ont quand même une grosse période à venir. Là, ils ont 4 gros matchs. Je les vois pas développer un jeu contre Lille, en tout cas tenter grand-chose. J'ai peur du bus, j'ai peur d'avoir un match assez fermé. Et comme on a parfois du mal à jouer contre ce genre d'équipe, je suis un petit peu inquiet, du spectacle qu'on pourra avoir demain. Gildas, tu veux réagir? Bah écoute, dans la série des matchs abordables qu'on a depuis quelques matchs et sur les prochains, on a déjà grillé notre joker contre Reims. Donc si on en grille un deuxième Voilà, je là voulais le on dire pour relancer aux autres. Je pense que si on ne gagne pas à Brest et si on perd à Brest, Ah pour moi déjà, c'est on peut commencer à dire au revoir à l'Europe par rapport au championnat. Ah pour moi on peut déjà faire je te fais ton avis. Donc là on a déjà grillé notre joker parmi tous ces matchs abordables, donc il va falloir absolument la victoire. Effectivement, c'est pas un stade qui nous réussit. Hein. Les deux dernières années, on a été assez pitoyable sur ces matchs contre Brest. Après, j'ai quand même le souvenir d'une équipe de Brest qui était vraiment joueuse et qui nous avait vraiment bousculé dans le jeu. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est quand même moins bon. Et comme disait Christophe, il y a eu un changement d'entraîneur et moi, je crains aussi un match où ils vont vouloir se rassurer. Et vraiment, ça va pas être du tout. Je crois pas que ce sera le même match que contre Clermont. Ou contre Clermont, finalement, on a une équipe de Clermont qui était très joueuse et qui s'est. Et là, je vois pas une équipe de Brest vraiment se livrer et se faire planter en contre. Après, on verra bien. Mais bon, là, pour moi, c'est un match qui va conditionner le reste, peut-être même de la saison, parce qu'on n'a vraiment plus le droit à l'erreur, là. Si on prend encore des points là, on peut aller se rhabiller. Et puis, pour moi, ce sera une fin de saison vraiment sans trop d'enjeux, quoi. Brest était une équipe plutôt joueuse ces 2 dernières saisons Oui. avec les précédents entraîneurs. Ah, ça jouait bien. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous craignez dans l'équipe actuelle? C'est une bonne question, ça. Tu peux. Le gardien, peut-être. Le gardien Bizot, qui est pas mal, mais ça prend des Ah, buts quand l'année même. dernière, il Donc, nous a tout pris, lui. Hein, là, oui. il a beaucoup l'année dernière, lui. Tu peux éviter de dire les autres quand tu sais pas les noms. Les autres, Tizot, Mizot. Je sais bien qu'on est dans le Nord, mais bon, quand même, quoi. Est-ce que c'est une équipe qui encaisse beaucoup? Reste, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une équipe qui encaisse? Oui. Ils ont Merci de encaissé. descendre Christophe. Il dit le Ils gardien est très bon et toi tu dis ils prennent beaucoup de buts. prennent des Super. buts, oui. Mais Belle ils ont. solidarité. Ils ont encaissé 33 buts depuis le début de saison. Ils ont un goal average de moins 15. Alors, parmi les joueurs un peu connus, alors on a un joueur Slimani. qu'on connaît beaucoup ici à Lille, hein, qui va prétendre au match retour au trophée Thauvin. C'est Jean-Kévin Duvergne, hein, l'ancien joueur du coin. On a Islam Slimani, qui est le joueur le plus connu finalement de cette équipe, hein, mais qui paraît plutôt un mercenaire. Il a fait une dizaine de clubs sur les 10 dernières années. Hein. C'est vraiment
Islam Slimani, c'est un footballeur migrant presque, c'est un joueur que ne doit pas vraiment apprécier Eric Zemmour. Est-ce que vous avez d'autres joueurs que vous pouvez... c'est très con, mais je... Non, t'osais pas la dire, tu l'as dit quand même, t'étais pas sûr. Merci de ton soutien, Julien, merci de ton... Merci de ton soutien. Mais on n'a pas ce sentiment qu'on avait les années précédentes d'un bloc équipe, mais on a plutôt l'impression d'un conglomérat qui a du mal à vivre son collectif. Est-ce que vous partagez cet avis ? Bah, et puis, on ne sait pas vraiment. Hein, ça va être les premiers matchs d'Éric Roy. Ils ont gagné 2-0 en Coupe contre Avranches. On va voir ce que ça va donner. Mais Éric Roy n'est pas réputé pour être le plus grand romantique en termes de football. Donc, il y a des chances, en effet, que les mecs ferment la baraque et qu'on joue contre un bloc. Hein. Ce sera pas facile, mais enfin, on l'a tous dit. Hein, si on ne gagne pas ce match-là, si on ne gagne pas tous ces mecs qui sont pétris de trouille là, en ce moment, on ne fera pas... un championnat qui nous permettra de finir dans les 4-5 premières places, hein, c'est sûr. Alors, Pierre-Ambroise, oui. J'ai regardé, François, il y a Lesmelou qui est pas mal aussi, milieu de terrain, qui a fait une belle carrière en championnat, qui a joué longtemps à Nice. C'est un beau joueur, un beau milieu de terrain. Donc, mais est-ce que ça suffit d'avoir un ou deux joueurs comme ça quand on est vraiment à la ramasse totale? Je ne sais pas. Alors, Pierre-Ambroise me demande si j'avais préparé le trophée Thauvin. Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Alors, je vous propose, après ce piteux mensonge, de passer à la troisième et dernière partie de l'émission. Donc, l'échéance du week-end prochain. Donc, un retour de Troyes au stade Pierre-Mauroy. Donc, on a appelé ça porter l'Estoc à l'Estac. Donc, Troyes qui... en dehors de son parcours court en Coupe de France, est 13e du championnat, donc 13e, c'est à la porte du ventre mou, 18 points. Ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable, qui est donc Brest. Hein, c'est déjà un matelas plutôt confortable. 4 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 29 buts pour et 33 buts contre, donc une différence de moins 4. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, 29 buts pour, c'est pas mal, hein, c'est presque autant que le LOSC qui est à 30 buts pour. Donc, c'est quand même assez significatif. Les 4 victoires, c'est contre Strasbourg, Clermont, Angers, et à Monaco qui vient effectivement, qui est l'exploit finalement de Troyes cette année. Que pensez-vous de ce match? Est-ce que le fait d'avoir joué une équipe bis, une semaine avant, ce n'est pas un handicap pour le LOSC qui va cette fois affronter une équipe avec tous les titulaires et avec peut-être une envie de gagner qui sera beaucoup plus importante. C'est un handicap si les mecs ne se remettent pas en cause. C'est-à-dire que je pense que si on aborde ce match, pour certains joueurs, avec la même, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a plutôt analysé, la même condescendance, en tricotant, en n'étant pas très efficace, oui, je pense que Troyes, c'est une équipe qui est capable de réaliser l'exploit à Lille et de gagner. Donc, il va falloir faire preuve de plus d'humilité. Il va falloir ne rien lâcher pendant tout le match. Normalement, il y aura au moins Fonté et André Gomes qui seront revenus. Donc, on aura quasiment tout l'effectif, moins Bamba, hein, qui sera ça à coup sûr pas revenu, puisqu'on parle de 3-4 semaines minimum pour sa blessure. Donc, on aura quasiment tout l'effectif. Il va falloir jouer sérieusement. Hein. Il va falloir jouer sérieusement pour battre cette équipe de Troyes. Et en effet, je ne pense pas que ce soit un avantage parce qu'on n'a vraiment pas joué la vraie équipe de Troyes. D'ailleurs, parmi les revenants dans l'équipe de Troyes, il y aura des anciens Lillois. Hein. On ne verra certainement plus Adil Rami, mais on verra Rominguez. Et Ronny Lopez qui devrait être titulaire pour ce match. Georges, tu te grattes la tête. Est-ce que tu es perplexe par rapport aux enjeux et aux possibilités du LOSC de remporter ce match? Il a un eczéma. Non. Heureusement qu'il se gratte que la tête. Hein, sinon, on aurait du mal à enchaîner. J'ai qu'un plan cadré, hein, je te rappelle quand même. Il y a une partie de mon anatomie qui n'est pas visible. Puis, tu as une deuxième main. Voilà. Donc, non, je regardais 3, c'est vrai que c'est un effectif qui n'est pas dégueu. Donc, rien à voir avec l'équipe expérimentale qu'ils nous ont envoyée dimanche dernier. Je pense que ça dépendra aussi, ça va être conditionné par le rendez-vous intermédiaire, hein,
après ce qu'ils font à Brest. Moi, ce qui me fait peur encore une fois, c'est voilà, c'est ces matchs à notre portée, parce que même l'équipe première, enfin, je veux dire, même avec l'effectif qu'ils ont, c'est largement à portée, mais voilà, va falloir pas souper. Alors, moi, je les placerai plus à un niveau. C'est vrai qu'en gros, c'est plus du niveau de Clermont que de Brest. Et Clermont, on a vu que c'était difficile, mais qu'on a su gérer le match. Peut-être que ça a passé par du coaching. Moi, je crois beaucoup qu'une des solutions, c'est Bayo entrant en tueur, qui a déjà fait deux fois. Et il peut être très bon dans ce rôle, parce que c'est singulièrement, peut-être que si on l'avait eu plus tôt dans cette disposition, parmi les nombreux points perdus, on en aurait peut-être un peu moins laissé en chemin. Donc, pareil, moi je pense que de toute façon, ça ne peut être qu'une semaine à 6 points. Si ce n'est pas une semaine à 6 points, c'est une semaine qui ne sera pas satisfaisante, mais 3 est un adversaire qui n'est absolument pas à prendre à légère. Évidemment, les gris-gris et le côté très futsal du match aller, je pense qu'il faudra vraiment oublier. Je trouve intéressant ce que dit Georges, parce qu'en effet, depuis que Bayo va mieux, il y a une sorte de stratégie possible de super sub qui se met en place. Mmh, et finalement, quand on a réussi des bonnes saisons, on a toujours eu des super subs. Alors, le meilleur exemple, c'est 2011, là où on sait qu'avec Fro, Bragnac et Tullio, quand ils rentraient, c'était le feu. Et on arrivait à écraser les adversaires dans les 25 dernières minutes si on n'avait pas fait la différence avant. Et là, avec l'entrée de Wea et Bayo à 25 minutes de la fin d'un match, tu sais que tu peux tout faire exploser, parce qu'on a quand même vu que Bayo, il est super réaliste. Et Wea, avec sa pointe de vitesse, il peut exploser n'importe quel défenseur latéral. Donc, je pense qu'il y a un vrai truc, et peut-être qu'on pourrait se contenter d'être un peu plus prudent au début de match, en sachant que maintenant, on peut faire rentrer Wea et Bayo quand les mecs sont fatigués en face. Il y a peut-être quelque chose à jouer, même si c'est plus nous qui risquons d'être fatigués, parce que là-bas, par exemple, sur le premier match contre Brest, on a un jour de récup en moins, et enfin, ça s'enchaîne un petit peu moins bien pour nous que pour les autres, quoi. Et est-ce que finalement Bayo et Wea, ce ne sont pas les premières recrues du mercato lillois? Oui, c'est clair. Ouais, et est-ce qu'on peut imaginer un moment où Wea jouait titulaire à droite, par exemple, en remplacement de Bayo? Ouais, moi, je pense que cette semaine à Brest, moi, je le mettrai titulaire en tout cas. Pour le match qui sera, à un moment donné, il faudra quand même l'essayer. Moi, je l'aime bien en remplaçant. Non, mais c'est vrai, jusqu'à ce moment-là, rien à dire. Parce qu'il rentre, il marque. Ouais. Et ça dépend du match. À Brest, ils vont vraiment se fermer comme on pense. Il faut quand même un neuf physique qui peut jouer de la tête, parce que comme on joue, ça dépend. Ça dépend. Si l'adversaire il est trop défensif, je ne sais pas si on va être efficace. Donc, pourquoi pas le même Wea et Bayo, le mettre titulaire à Brest, et après, oui, les utiliser comme super sub dimanche. Est-ce que la solution d'un joueur comme Zegrova ou Onas, mais surtout Zegrova, qui rentre intérieur systématiquement contre une équipe qui va jouer défensive, qui va jouer resserré, qui va vraiment être présente dans ce secteur de jeu, est-ce que c'est la solution d'avoir Zegrova avec son jeu systématique intérieur pied gauche et frappe quand il peut, enfin voilà. Est-ce il rentre que, intérieur, bon, t'as déjà noté ça? J'ai noté ça une ou deux fois. Ah, une ou deux fois par quart d'heure à peu près. Et tu penses que les défenseurs de Ligue 1 aujourd'hui sont au courant? Je ne suis pas certain, mais non, après l'émission de ce soir, malheureusement, on va leur donner des indices. Et ça c'est grave. On joue contre trop, notre camp. On parle trop et on est trop voilà. En tactique, je pense. Pour avoir été dans le parcage à Clermont. Il t'a blessé avec un ballon? T'entends clairement le gardien, oui, le gardien Clermontois, donc intérieur, dès que Zegrova voilà. Le ballon, la consigne est systématique. C'est surprenant. Ouais. Bah oui, évidemment. Mais on en parlait dimanche entre nous dans la tribune. On l'entend à la télé clairement également. Donc malheureusement, c'est un fait avéré, comme on dit. C'est donc, petit Robin, allez, il est toujours pareil, c'est lui, ça marche. Pour l'hiver. Voilà, on s'était promis de ne pas parler de Zegrova ce soir parce qu'il n'avait pas joué beaucoup. Mais bon, c'est Crico qui a craqué. Hein. Il m'énerve. Vous avez mauvais fond, je trouve. Vous avez mauvais fond. Capdoul, il nous dit que Eric Roy nous écoute. Il vient de découvrir notre plus grand secret. Et si je peux aller plus loin dans la délation, il y en a qu'un qui l'apprécie, c'est Baptiste, qui n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Donc on peut le charger. C'est vrai. Disons-nous que Baptiste a soutenu pendant 2 ans Liadji. Voilà.
Ouais. Un visionnaire. Tout à fait. Un fin connaisseur. J'espère qu'un jour, il ne sera jamais recruteur pour le LOSC. Du coup, j'ai perdu le fil. Il vaut mieux être à l'écran qu'être absent, la vache. C'est pas faux. Gildas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce deuxième rendez-vous contre 3? Bah déjà, il faut le dissocier complètement du match de Coupe de France, vu que 3 ne va pas du tout mettre la même équipe. Après, 3 comme Brest, c'est deux équipes qui ne battent pas d'équipe majeure, hein, si j'ai bien compris. Et nous, finalement, dans notre bilan, on est plutôt déficitaire que les équipes de haut de tableau. On n'a pas un bilan très brillant. Bah, donc, voilà, ça va aussi dépendre, comme l'a dit Georges, de la dynamique du match contre Brest, de la composition d'équipe. Moi, je suis vraiment curieux de voir comment Fonseca va... Bah, jongler avec ces deux matchs-là en 4 jours. Moi, je retends très bien Wea. Je retends très bien Wea, effectivement, sur le côté. Est-ce qu'il va retitulariser, pourquoi pas, Baléba? Bayo, ça va être un peu plus compliqué, mais évidemment, il a un rôle de super sub. Donc, c'est 6 points, sinon rien. Quoi. Je veux dire, si on commence à avoir peur de 3 à domicile... Bah écoute, non, moi je. Mais je pense que c'est un match qui devrait nous convenir. Quoi. Je vois pas 3 fermer trop le jeu non plus. Donc, bon, on va voir. Mais je suis assez confiant pour ce match-là. Peut-être plus que pour le match de Brest qui me fait un peu plus peur, mais c'est un ressenti comme ça. Lorenzo, tu veux conclure? Non, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut arriver à Nice avec 6 points et après, il faut voir. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer 3 parce que c'est quand même une équipe des petites, entre guillemets, qui a la possibilité d'avoir des joueurs pas mal parce qu'en étant une équipe de City Group, il y a quand même des jeunes très intéressants qui arrivent. Mais c'est une équipe que normalement, voilà, on devrait battre. C'était comment ce que tu dis à chaque fois? C'était grand contre les petits et petits contre les grands. Tout à fait, tout à fait. Si ça continue ça, même si je n'aime pas, mais normalement, c'est 2 matchs à notre portée. Quoi. Bah, c'était fort avec les faibles et faibles contre les forts. C'était ça exactement. Alors, il est 21h43, l'émission touche à son terme. Je vous propose de terminer peut-être avec un rapide tour de table sur le concours de pronostics sur les 2 matchs. Donc, score et buteur, donc Brest et 3. Christophe, on va commencer par toi, je te vois réfléchir. Mm-hmm. 1-0 à Brest sur penalty, but de David. Et 2-0 contre 3, je ne vois pas pourquoi on changerait. Lorenzo, Je suis d'accord sur le 1-0 à Brest et 2-1 ou 3-1 contre 3. Bah, je vais voir des buts, moi. Hein. Je voyais voir des buts. C'est normal. Julien, qu'est-ce que tu nous vois comme pronostic? 0-2 si on fait rentrer nos super subs à Brest et 3-1 contre 3. Et là, on peut envisager de faire une belle fin de saison. Alors c'est une belle deuxième moitié de saison, plus exactement. Tout à fait. Saison. Alors, Trifred nous dit 3-0 à Brest et 2-1 à domicile. José qui nous dit 2-0 à Brest et 1-0 contre 3. Gildas, est-ce que tu as un avis qui va dans le même sens? Allez, moi je dirais 2-1 à Brest et contre 3, je dirais 3-1. Voilà. Est-ce que, Georges, tu berces dans le même optimisme? 2-0 David Bayo, 2-0 David Bayo. Ça nous fait presque une chanson, ça. Ça nous fait presque voilà. Une chanson. Une chanson sur laquelle, alors, Marcel qui nous dit 2-2 et 1-1, donc il est, lui, il tempère notre... Il faut vraiment qu'il retourne à Bollard de toute urgence. Hein. On ferme le bistrot si on fait 2-0 cette semaine. Oh mon Dieu. Alors, on ne va pas fermer le bistrot. Déjà qu'il soit à dos au sol, j'auditrice. Donc, exactement. C'est... Déjà qu'il a un fan club sur Twitter. C'est vrai, on a fait le buzz bien. On ouvre à la féminité, ce monsieur se permet de nous les lâcher. Non, non, quand même. Bon, on verra. En tout cas, ça ne prégure pas d'un arrêt du bistrot, sauf pour ce soir. Je vous propose de terminer le bistrot sur ses pronostics et ses déclarations. Donc, je voulais remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui ont assisté en direct, et vous êtes de plus en plus nombreux à l'émission sur la page Facebook du bistrot d'Allez le LOSC et sur le groupe Allez le LOSC. Je vous rappelle que
On mettra en ligne dans quelques heures le replay sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, d'autant plus qu'on vous prépare une petite surprise sur cette chaîne YouTube. Je fais un petit teasing pour les prochaines semaines. On va tester quelques nouveautés. Donc merci pour vos réactions qui permettent de nourrir finalement l'émission. Je voulais remercier également les piliers du bistrot présents ce soir. Donc merci et au revoir à Christophe. Bonsoir à tous et bonsoir Caroline. Donc. Merci à Lorenzo et à très bientôt pour, donc, en physique, entre guillemets. Donc à très bientôt. Merci, sur l'île. On se voit bientôt. Merci à Julien des Docs de Paris. Et bonsoir à Caroline. Moi, je dis bonsoir à Charlotte de Marcel. Oh. Merci à merci à Gildas. T'es gouré de prénom. C'est Charlotte, c'est pas Caroline. Je ne voyais pas de quoi il voulait parler. Je dis, j'ai raté. Merci à Gildas. Si tu veux dire bonjour à Virginie, tu n'hésites pas. Eh bien, je t'en prie, c'était un plaisir et bonne soirée à tous, sauf à Noël Le Graët. Et merci à Jean, je ne sais pas à qui tu veux saluer. Mais tu... Bonsoir à tous et je vais dire bonsoir à Marceline. Ouais, voilà. On peut dire bonsoir à Nathalie qui nous écoute en vrai. Oui, c'est vrai. Et Odile aussi qui nous écoute en vrai. Bon, bonsoir à toutes nos auditrices et merci de nous supporter pendant cette grosseur d'émission chaque semaine. Voilà, avant de vous quitter pour ce double rendez-vous du LOSC cette semaine, je vous propose de pousser tous ensemble notre cri de guerre. 1, 2, 3, allez le LOSC. À bientôt, à ciao et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Bonsoir tout le monde.